Je suis tellement contente. Qu'on soit tout ensemble. C'est fou. Qu'on se soit retrouvés comme ça. Par hasard. Je crois pas que c'est un hasard. Qu'est-ce que t'avais? Tu filais pas? Non, je vais bien. J'avais juste un peu mal à la tête. Des genres de migraines. Full intense. C'est dangereux, ça, des migraines. T'as-tu des acouphènes? C'est là, c'est les bruits, là. Je sais c'est quoi, des acouphènes. T'as peut-être le cancer du cerveau. Je suis désolée de te dire ça comme ça, mais... Des migraines avec des acouphènes. Faut que t'ailles à l'urgence, tu peux pas rester comme ça. C'est grave. Si tu fais rien, c'est la mort. Je suis sérieuse, là. C'est les ondes des cellulaires qui donnent le cancer. Faut plus utiliser de cellulaires si tu veux pas mourir. Le pire, c'est que si le gouvernement y élève en secret des araignées pour nous contrôler. Je sais que ça fait genre théorie du complot, mais
c'est prouvé. Ce qui est grave, c'est qu'ils mettent des ondes qui se transforment en araignées dans ta tête. Non, mais c'est peut-être pas ça non plus. Parfois, tu sais, on est un peu intense. Comme trop intense. Comme malade dans la tête. Mais oublie jamais que c'est nous autres, ta gang de malades préférés. J'ai mal à la tête. Je vais te défoncer la gueule à cette espèce de pervers. Je vais y faire mal, vraiment mal. Après ce que je vais y faire, plus jamais ils auront envie d'agresser une fille. Tu comprends-tu? C'est quoi que tu regardes? Non, mais arrête! On sait même pas pourquoi il est dans le monde! Peut-être qu'il tripe sur elle? Peut-être que c'est comme un super méga coup de foudre? Dis-lui! Dis-lui qu'on n'a pas peur de lui! Non, mais allez, viens! Qu'est-ce que t'attends? Je suis fils avant d'Arlie, il va passer en courant ce gros pervers. Hein? Gros porc, harceleur, assassin! Un peu. Il veut nous faire peur, mais il nous fera rien du tout. Il peut rien contre nous. On est bien plus fort que lui. On est une armée comparée à lui. On sait pas. Ça existe, les malades. Peut-être qu'il s'enfuit de Pinel. Pinel, la place pour les fous. Puis le pire, c'est que les fous, là, ils les gardent même plus à l'asile. Tant qu'ils ont pas tué du monde, ils les laissent en liberté pour qu'on pense qu'ils sont corrects, puis qu'on sache plus qu'est-ce qui est correct, puis qu'est-ce qui est fou. C'est la meilleure affaire pour te rendre fou. Pinel, c'est pas pour les fous. Puis on dit plus asile, on dit institution psychiatrique. Puis tu sauras non plus qu'on dit plus fou. Avoir une maladie mentale, c'est pas être fou. Ok, laisse pas le temps de nous faire tes petits concerns de comment parler politiquement correct. Fou, malade mentale, craque-poc, on s'en fout dessus. Là, il y a monsieur maladie mentale échappé d'une institution psychiatrique qui veut nous tuer en politiquement correct. Je vais aller le voir. C'est après moi qu'il y en a. Je
vais m'expliquer avec lui. Puis tout va s'arranger. Je vous présente Matt. Matt, voici mes meilleurs amis. Excuse-nous, Matt, mais c'était quoi l'affaire de nous poursuivre? On t'a jamais dit que ça se faisait pas des affaires de même? On poursuit pas les gens avec une face de psychopathe? Elle t'a pas appris ça, ta mère? Non, mais pour vrai, là, t'as fait peur à tout le monde. Désolé. Je voulais pas vous faire peur. Mais vous, pourquoi vous m'avez insulté? Vous avez rien fait. Tu nous regardais full bizarre. Excuse-moi de te dire ça, là, mais t'avais l'air fou dans la tête. Tu sais, ce genre d'affaire, à la télé, c'est le fun, mais dans la vraie vie, c'est pas cool. C'est gênant. Mais je sais pas comment dire ça. Je sais pas comment dire. Go, vas-y, sois pas timide. On est comme une grande famille, on se dit tout. J'ai eu un coup de foudre. Pour Laure. Trop cute! Tu vois, Laure, j'arrêtais pas de te dire que tous les gars capotent sur toi. T'es tellement belle! On aimerait tout être comme toi. Go, raconte. Quoi? Qu'est-ce que vous voulez que je raconte? Ben tout. Comment tu t'es sortie quand tu l'as vue? Pis tout là. Ben, c'est ça. Dès que je l'ai vue, je me suis dit, cette fille-là est spéciale. Elle est comme un ange. Je t'aime bien, toi. Ouais, je crois que tu préfères partie de la gang. Ouais, je t'annonce que tu fais partie de la belle gang du monde. J'aimerais être un peu seule avec Matt. Ils sont bien tranquilles. Ah, je suis déçue. Vous êtes dans mes voyeurs? On peut pas être voyeur, on voit rien. Entendeur, peut-être. Hé, hey, on entend. Ça a l'air de mieux se passer leur affaire. C'est normal. Faut qu'on fasse de quoi? J'ai l'impression que t'es en train de la violer. Oh shit! Il va la découper! Revenons à ce qui nous amène ici. Est-ce que vous vous en souvenez? Sûr d'être avec ma gang d'amis. Qui sont vos amis?
les amis. Les amis. Mes amis.